Coucou mes chéris, c'est Tali Voti, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien chez vous. Chez moi, ça va mes chéris, par la grâce de Dieu. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue dans la famille Tali Voti. Si vous êtes de passage sur ma chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez toujours vous abonner. C'est gratuit mes chéris et ça fait plaisir. Pour ceux ou celles qui me suivent déjà, je vous dis encore merci de me soutenir mes chéris. Merci d'agrandir la famille. Merci beaucoup, ça me touche énormément. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin que nous soyons toujours connectés mes chéris. J'allais préciser un truc. Quand il y a une chérie qui n'aime pas une vidéo que je fais, elle peut tout simplement ne pas regarder plutôt que de faire écrire des messages pas du tout gentils pour ses autres sœurs. Vous voyez? Donc, cette vie-là, on est adulte. Faut se respecter, mes chéris. Si une vidéo ne te plaît pas, tu zappes, tu quittes, tu vas chercher autre chose, ma chérie. Au lieu de te mettre là à critiquer, d'insulter, c'est pas bien, ma chérie. D'accord? Parce que la prochaine fois, je vais tout simplement bloquer les personnes qui insultent leurs sœurs. D'accord? Aujourd'hui, mes chéris, je viens vous faire une vidéo sur comment faire sa crème éclaircissante de nuit. Cette crème que je vais vous faire, mes chéris, c'est une crème super éclaircissante. C'est à utiliser que le soir, mes chéris. De préférence, vraiment, que le soir, mes chéris. Je cesse de vous dire que les produits éclaircissants, c'est pour le soir et non pour la journée. Dans cette vidéo, c'est pour les personnes très claires améthystes. C'est des personnes vraiment très très claires. C'est pour être très clair. Après, je ferai une vidéo pour les personnes de teint caramel. D'accord, mes chéris? Donc, dans cette vidéo, j'ai utilisé un lait neutre. C'est le cocoa butter de Vanshin. J'ai déjà fait une revue sur ça. C'est une crème que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser votre crème que vous aimez bien, votre crème visage que vous aimez bien, vraiment pour faire cette composition. Moi, j'ai utilisé le cocoa butter dans cette vidéo. Mais vous n'êtes pas vraiment obligé d'utiliser la même chose que moi, d'accord? Donc, vous allez avoir besoin d'un petit pot. Pas le grand pot, juste le tout petit pot. Pour le tout petit pot de cocoa butter d'Evenshin, vous allez rajouter une cuillère de glycérine. Une cuillère de glycérine, mes chéris. Pour celles qui n'aiment pas la glycérine, vous pouvez zapper cette étape. Moi, j'utilise la glycérine parce qu'elle m'aide à hydrater, à adoucir ma peau, à lisser ma peau. En tout cas, moi, j'aime bien la glycérine dans mes compositions, d'accord? Pour celles qui ont peut-être la peau qui ne supportent pas la glycérine ou qui trouvent que que ça ne les va pas, vous n'êtes pas obligé de mettre la glycérine, mes chéris, d'accord? Moi, je mets toujours une cuillère de cette glycérine-là, d'accord? Ensuite, vous allez avoir besoin d'une cuillère à deux cuillères d'un concentré d'acide de fruits, mes chéris. D'accord? Là, j'ai mis 42 heures. Vous n'êtes pas obligé de mettre 42 heures. Vous pouvez mettre piment doux, vous pouvez mettre peau jaune. J'ai une liste des meilleurs concentrés de fruits dans ma chaîne, d'accord? Vous pouvez mettre un autre concentré. Moi, aujourd'hui, j'ai mis 42 heures. Mais vraiment, vraiment, mes chéris, vous pouvez changer. D'accord, j'ai mis deux cuillères d'acide de fruits. D'accord. Donc ensuite, j'ai mis une cuillère de l'huile bébé clair. J'ai une revue aussi sur ma chaîne sur cette huile-là. C'est mon huile. En ce moment, c'est mon huile, l'une de mes huiles préférées. En ce moment, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ça que j'utilise vraiment. J'aime beaucoup cette huile-là. Et vous allez mettre de la vitamine E. Pour celles qui n'ont pas la vitamine E en bouteille comme moi, vous pouvez mettre 4 gélules de vitamine E. D'accord? Donc, vous allez d'abord prendre votre peau. Ensuite, séparément, vous allez mettre
de la glycérine sur le côté avec une cuillère d'acide kojique. L'acide kojique, là, sur la vidéo, ça se montre blanc. Mais en fait, il est jaune, il est beige, d'accord? Donc, vous mettez une cuillère d'acide kojique dans votre glycérine. Vous allez touiller le tout, mélanger, bien mélanger. Et après, vous le prenez, vous le mettez dans votre pot, d'accord? Vous mélangez d'abord le beurre de cacao avec votre glycérine qui est déjà mélangée avec l'acide kojique. Ensuite, vous allez venir mettre votre concentré de fruits. Après, vous mettez votre bébé clair. Ensuite, vous mettez votre vitamine E. Et j'ai oublié de vous dire que moi, je rajoute aussi la moitié de mon tube Pure White cosmétique. D'accord? C'est un tube qui est spécial visage. Ce n'est pas un tube avec des corticoïdes. Ce n'est pas un stéroïde. En tout cas, moi, je ne mets pas du tout des tubes qui ont des stéroïdes ou des corticoïdes dedans. Ou du clobétazole. Je ne mets pas ça, mais je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi je ne mets pas ça. À mon corps, ma peau n'aime pas ça. Donc, c'est pour ça que je ne mets pas ça dans mes compositions. Pure White, ce n'est pas du tout du clobétazole, des stéroïdes. Ce n'est pas du tout ça. C'est très très naturel aussi. Donc vous allez mélanger le tout. Si vous ne trouvez pas ce tube ou que vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de mettre les mêmes ingrédients que moi. D'accord? Vous pouvez mettre Françoise Bédon, vous pouvez mettre. Il y a beaucoup de crèmes qui marchent très bien. Des crèmes, il y en a plein qui marchent très bien. Vous voyez? Mais moi, sur mon visage, je ne peux jamais mettre de stéro ou parce qu'il y a trop de conséquences, mes chéris. Mais je vous ferai une vidéo prochainement pour ça, d'accord, mes chéris? Donc voilà, vous allez tout mélanger et puis voilà votre crème de nuit. Elle est toute prête, mes chéris. Voilà, vous allez gagner beaucoup de teintes avec ça, mes chéris. Donc j'ai voulu partager ça avec vous. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous dis à très 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 bientôt, mes amours. Je vous fais un gros gros bisou. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous garde. À bientôt.